Jean-Marie Le Pen hospitalisé, depuis le tribunal, Marine Le Pen ne. Ancien visage incontournable du paysage politique français. Jean-Marie Le Pen était notamment connu pour ses prises de position controversées. Aujourd'hui âgé de 96 ans, l'ancien leader du Front National est actuellement à l'hôpital. En effet, selon des sources concordantes citées par BFM TV, l'ancien homme politique est hospitalisé depuis le week-end dernier. En fait, Jean-Marie Le Pen doit subir une série d'examens, liés à son âge, comme l'a précisé son entourage. Pour l'instant, selon ses proches, il n'y a pas d'alerte particulière concernant l'état de santé du père de Marine Le Pen. Interrogé à ce sujet, l'ancienne candidate à l'élection présidentielle s'est brièvement confiée aux journalistes en marge de son procès actuel. Marine Le Pen sur son père, il est toujours à l'hôpital, rien de plus, rien de moins que les épisodes que l'on a déjà vécu. Il est toujours à l'hôpital, rien de plus, rien de moins que les épisodes que l'on a déjà vécu, a notamment déclaré la fille de Jean-Marie Le Pen. Au micro de BFM TV. Pour rappel, le père de Marine Le Pen est également poursuivi dans la fameuse affaire des assistants parlementaires du Rassemblement National. Cependant, contrairement à sa fille, il n'est pas tenu d'assister à l'audience. En effet, Jean-Marie Le Pen a été préalablement disjoint par l'intermédiaire d'une expertise médicale. Les médecins avaient constaté une profonde détérioration de son état physique et psychique. Ils ont alors estimé qu'il n'était pas en mesure ni d'être présent, ni de préparer sa défense pour ce procès. Il est acté que Jean-Marie Le Pen n'est pas en capacité de donner son consentement de quelque acte que ce soit. Avait d'ailleurs indiqué Marine Le Pen à l'ouverture du procès fin septembre 2024. Pour mémoire, Jean-Marie Le Pen avait surpris énormément de monde en 2002. Cette année-là, il s'était présenté à l'élection présidentielle contre de nombreux autres candidats, dont le président sortant Jacques Chirac, et le premier ministre de l'époque, Lionel Jospin. Alors que tout le monde voyait les pensionnaires de l'Élysée et de Matignon s'affronter, le président du Front National s'était qualifié pour le second tour avec 17% des voix. Ayant récolté seulement 16% des voix, Lionel Jospin fut donc éliminé dès le premier tour, le poussant ainsi à se retirer de la vie politique. Cette surprise avait aussi permis à Jacques Chirac d'être réélu pour un deuxième mandat, avec plus de 82% des voix au second tour. Jean-Marie Le Pen avait ensuite vu sa fille Marine Le Pen réaliser le même exploit en 2017 et en 2022. Malheureusement, elle s'est inclinée à deux reprises contre Emmanuel Macron.